Et yop tout le monde, c'est Chrono. Aujourd'hui on se retrouve sur Ride 2, donc nous allons faire le tour des menus pour voir un peu ce qu'il nous propose. Et je l'ai un peu testé, franchement il déchire ce jeu, il est vraiment super. Donc on va déjà dans les options pour voir ce que j'ai fait au niveau des commandes. Bon bah j'ai mis ma manette hein. L'audio, on va peut-être descendre la musique. Musique de course, non c'est bon, tout est ok. Ça c'est bon. Le commande, on s'en fiche. On peut jouer en ligne. Alors le problème qu'il y a en ligne, c'est qu'il y a beaucoup de dessins. Alors les gens, ils font des rollbacks, c'est un peu chiant. On peut se créer une équipe. Donc ça, c'est mon équipe. On peut faire sans pilote. Et je crois qu'au fur et à mesure, alors, personnaliser. On peut personnaliser tout ce qu'on veut. On va avoir déjà 100%. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai plus assez d'argent. Ah, mais c'est les lunettes que j'ai dans... Dans la vraie vie, ça. Je crois que c'est celle-là que j'ai. Non, c'est bien celle-ci que j'ai, sauf que c'est noir, c'est pas violet. Peut-être qu'elles y sont, peut-être qu'elles y sont pas. Non, elles y sont pas. Bon, bah c'est pas grave. Il faut gagner de l'argent pour pouvoir s'en acheter. Au niveau des casques, qu'est-ce qu'ils proposent? Des potes, pardon. Alors, du CD et du Alpine Star, les tenues. Alpine Star Denez. Les gants, c'est pareil. Ah, du Axio, tiens. Et les casques? Choué, arrêt, héros. Ah, ils mettent des Fox. Cool. Ils auraient pu mettre les tenues Fox aussi. Hein. Ah, c'est les mêmes casques que j'ai. Le même casque que j'ai. Ah non, c'est le V4. Moi, j'ai le le V1. Ah, ils sont beaux, les casques. Ah, ça, on verra par la suite. Donc, on peut personnaliser sa moto. Là, ma moto est personnalisée entièrement. Donc, au niveau des carénages, des jantes, des câbles de frein et tout ça. Donc épreuve du World Tour, là on a pas mal de choix, épreuve saisonnière, les épreuves sur invitation, donc quand on est invité on peut la rejoindre, les championnats, les équipes vs équipes et le classement mondial. Donc les épreuves saisonnières, il y en a quand même pas mal à débloquer. Hein. Il y a les Pro Racing, c'est le seul endroit où on peut faire de la super moto. On va faire une partie rapide, on va prendre une course rapide. On peut jouer à deux aussi, c'est ça qui est cool. On va choisir une piste. French Riviera, Milano, Miami. Alors, qu'est-ce qu'il propose là? Il y a quand même pas mal de pistes. Hein. Soleil. Bon, ils sont un peu light. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop là. French Riviera. Qu'est-ce qu'il propose? Circuit entier. Description. Celui-là, il y a pas mal d'épingles. Hop, Côte d'Azur. Allez, venez, on va tester celui-là. On peut régler sa moto. Donc, la dureté des suspensions. La rigidité, la précharge, la compression et la détente. Lance la course. Alors, ce qui est bien, il y a plusieurs styles de caméra. On peut même être dans le casque et ça, c'est super. La jouabilité est quand même dure, hein, quand le temps de prendre en main, ça met un peu de temps quand même.
Après, au niveau qualité sonore, je trouve que la moto, le bruit est très mal fait. Ça, c'est juste une critique que j'ai à faire, c'est ça. Le bruit est horrible. L'impression de je sais pas, d'avoir une genre de tondeuse. C'est dommage. Hein.
des motos, du menu des motos. On va voir un peu toutes les marques qu'ils nous proposent. Donc on va à mes motos, on choisit moto, garage, concessionnaire, on va aller chez le concessionnaire pour voir un peu. Acheter des, afficher les constructeurs, afficher la liste complète, choisir par catégorie. Donc là vous avez les super motards, on va faire un tour directement comme ça, ça va être plus simple. Donc on a le choix entre une TM Racing de chez en Italie de 2015, vous avez la Husky de 2015, la KT de 2015, elle est super jolie celle-là. La CRF de 2016 et la l'Aprilia de 2015. Elles sont vraiment jolies. Les cylindrées, on peut les voir aussi. Ouais, ma préférée, c'est bien la KT. Hein. Ensuite, vous avez les Naked. Vous avez quoi? Aprilia. Bimota. C'est des sacrés engins. Hein. Vous regardez un peu comment c'est fait. C'est abusé. Abusé. Ah oui, vraiment de très très belles motos. C'est super classe. Donc vous avez de quoi vous amuser quand même, hein. C'est ça qui est cool dans le jeu. Et en plus vous pouvez customiser votre moto. Bon, pas non plus comme vous voulez, comme vous le voulez, mais il y a des kits qui vous permettent de changer les autocollants, changer le pot, vous pouvez changer les plaquettes de frein, les têtes fourche, les poignées et tout ce qui en suit quoi. Mais c'est plutôt pas mal. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ah, elles sont magnifiques, hein. Franchement magnifiques. Laquelle les sport bikes. La Repsol, pas mal hein. Elle est jolie la Repsol. Oh, celle-là aussi hein, c'est... Ce sont des monstres. La Ninja, elle est magnifique celle-ci, elle est magnifique. La KTM aussi, elle est super belle celle-là, j'adore. 373 cm3 seulement, c'est pas grand-chose hein. Bon, celle-là c'est autre chose hein, c'est 1195 cm3. Hein. Ça envoie du pâté, 176 chevaux, ça envoie du pâté déjà. Le GSXR. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, ça c'est quoi? Ah, ça c'est des motos venues de l'espace je crois, hein. Elles sont bizarres mais elles sont magnifiques, hein. C'est des sacrés monstres, celle-là elle est belle, hein. C'est impressionnant. 313 chevaux par contre, hein. Ça c'est abusé. Elle est super sportive. Les endurances. Oh, elles sont magnifiques, magnifiques. Et les super bikes. Waouh, c'est fou. Donc là, franchement, pour tous les amateurs de moto, vous avez de quoi vous régaler. Ça, c'est tous les constructeurs qu'il y a. Il y a de quoi se régaler. Franchement, il y a de quoi se régaler. Là, vous avez tout pour personnaliser votre moto. Voilà. Donc les moteurs, la couronne avec la chaîne, la fourche avant, la couleur. Les jantes. Donc la couleur, il y a pas mal de choses. Il y a les poignées, les plaques, le guidon, les protège-mains, les leviers, la mousse et les têtes fourche. Donc vous voyez, hein, il y a quoi faire. Là c'est pareil, les câbles de frein, les plaquettes, les étriers, les disques et les fourches. Là c'est pareil, on peut aussi rajouter des transmissions rapides. Des shifter, je sais plus comment on appelle ça. Ensuite vous avez l'usinage de tête de cylindre, vous avez les boîtiers, donc les boîtiers électroniques, les filtres à air, l'échappement et l'huile de qualité. Voilà, donc ils ont beaucoup de sponsors, hein, pas chez n'importe qui, c'est quand même des grosses marques. Donc le jeu, franchement ils l'ont bien fait, il n'y a rien à dire.
Franchement, je vous incite, si vous aimez, vous êtes amateur de jeux de moto, je vous incite à le prendre parce que franchement, il en vaut la peine. Mais vraiment la peine. Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!